encore Dieu nous a fait grâce. Loloto ezaya kela mau femianu. Et chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RTJVA, Novi RTJVA petit peu nous polao. Recevez encore nos meilleures salutations cette nuit. Il y a combien ben betona menyo le saya. Ce Dieu qui nous a conduit dans nos sorties, dans nos retours. Mau maike promis le mia bodo do ple gogo kata. Cette nuit, nous voulons glorifier son nom. Et comme il a permis à ce que nous soyons parmi les vivants, cette nuit est réservée à la prière. Et nous allons encore prier. Et Dieu fera encore des merveilles dans ta vie. Avant de prier, nous allons lire un verset qui nous donne comme thème la trahison source d'une fin macabre. La trahison, source d'une fin macabre. Matthieu, chapitre 27, verset 3 au verset 8. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le sang du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce sang a été appelé sang du sang jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Bien le matin, on va parler à mes tablas, je vais en train de vous que ton idée est ni à mes. Tete, est-ce que Yuda, à mes si fia et au moment, Bobena, ou tu koufia nela, et veille, et y au bouclo salo bla et ton la yina, nous non la gao, ple, à me gao, Globena. Me ou nous vont bé, aha, me ou nous vont bé. Me de vous m'a dit fort assis que wawo blobena mia bonya kaye wotua womuto po eji eye wo choklo salola fugbe de mau hola me hejo eye woyi da de kafena edokui ke nola gao fo klo salola blobena wome de mobena. Watu e ade nujojo me o. Elabena vufle gaye. Eye wode adan. Eye wotu e ple semela kwe abo. Ne wanye amajuwo kwe dipe. Kwe enyi. Eye anguchi woyo abo mabe. Fubo vasede egbe egbe. Amen. Seigneur, cette nuit encore, nous voulons t'invoquer. Et tu as dit, la prière du juste a plus d'efficacité. Et c'est toi seul qui nous rend justice par la puissance rédemptrice de ton sang. C'est pourquoi, Seigneur, cette nuit, ouvre les cieux afin que ta puissance se répande en abondance sur nos vies cette nuit.
sur les saints. Afin que, Seigneur, nos crises alarmantes puissent te parvenir jusqu'à ton trône. Afin que l'échangeable soit changeable. Au nom de Jésus. Oui. Beaucoup de personnes ont été victimisées et ont perdu la vie, et ont perdu leur position, ont perdu leur dignité, ont perdu leur valeur à cause de la trahison. Et cette trahison émane de ceux en qui ils s'appuyaient, de ceux en qui ils avaient toute leur confiance et ils confiaient tous leurs secrets. Les hommes et les femmes de Messie, ceux-là sur qui l'on compte pour qu'ils soient même leur successeur, peut-être. Mais le terme nous dit la trahison source d'une fin macabre. Ce passage nous parle de Judas Iscariot et sa trahison à l'égard du Seigneur Jésus-Christ. Il a trahi Jésus-Christ de Nazareth. Et que signifie trahir? Trahir, c'est faire cause commune avec l'ennemi ou avec un pays étranger. Trahir aussi, c'est cesser d'être fidèle à l'égard de quelqu'un. La trahison, c'est le manquement à la parole donnée, à un engagement, à un devoir de solidarité. Et macabre évoque une mort dans une situation, dans des situations tragiques, pour ne pas dire honteuses. Et nous y sommes les tepuis avec de blé là. Une fin triste. Qui est Judas Iscariot? Judas Iscariot était l'un des 12 disciples sur qui Jésus-Christ comptait, sur qui il s'appuyait et à qui il a confié la gestion financière de l'équipe. Judas Iscariot là, nous sommes là où il fait automatique quand il tue Jésus Christ au Canada fait venir à meille au choix pour mon propre d'arrêté et à meille au choix ramé après gagner au choix de Asina et tous marchaient avec Jésus. Et nous savons, dans une société, dans une communauté, dans une église, on confie la responsabilité de la gestion financière à un comptable, à quelqu'un qui est fidèle, à quelqu'un qui doit être un homme de mesure. Et on attend là, nous sommes là, on attend là, on nous sommes pas appelés Jésus. Et il y a des gens qui ont été les miapotos, malou les miapotos, mais là, à me y est au tona, et capo n'y a au tona, na sina là, et n'y a à me y est au tona, boula, et il fallait gagner miade, il ketchi wate kalo, et n'y a mouté pour là. Et Jésus
déclarait souvent à ses disciples, le Fils de l'homme sera livré, mais malheur à celui par qui cela passerait. Et Yesu, Egblo na kokoko, Elo Egblo le yepe, nous fiafiom, yepe nyamo bubo, mebena, wade amekbeton vila asitcha, voba ba na me ijie wato ava. Et un jour, pendant leur souper, lorsqu'ils étaient à table, et yepe reka yo, no plomchi no noudoumla, Jésus disait, Yesu no bobo mbena, quelqu'un parmi vous me livrerait. En vérité, quelqu'un parmi vous me livrerait. Et tous se furent profondément attristés. Et chacun se dit, est-ce moi? Et en fin de compte, Judas Iscariot, leva la voix et dit à Jésus, est-ce moi? Il s'accuse. Sa conscience le reproche. Et Jésus le dit, tu le sais toi-même. Il dit, Rabbi, est-ce que moi? Tu le sais toi-même. Toi qui trahis ton frère. Toi qui trahis ta soeur. Tu le sais. Jésus lui répondit, yes, tu le sais, tu l'as dit, tu le sais parce que c'est pourquoi tu l'as dit. Judas Iscariot était avec Jésus, mais son cœur était éloigné de lui. Qu'est-ce qui permet la trahison? La vie conduit à la trahison. La recherche d'un poste élevé conduit à la trahison. La cupidité conduit à la trahison. La vie de mondanité conduit à la trahison. Les intérêts personnels et égoïstes conduisent à la trahison. Chercher à aller plus loin et sans la volonté de Dieu conduit à la trahison. Et un passage biblique déclare que pendant que le morceau rentra dans la bouche de Judas, le diable entra en lui. Donc la possession démoniaque aussi nous permet de trahir nos frères et nos sœurs. Et c'est ainsi qu'il a ciblé Jésus pour le trahir. Et il a pris l'argent. Il a vendu Jésus. Il a exposé Jésus. Il a trahi Jésus. Il a fait dos. Il a livré aux ennemis. Il a livré à la mort. Et pendant qu'il voyait qu'il était déjà condamné, à cause des paroles que Jésus avait prédites, alors il alla vers les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, et les remit l'argent en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il reconnaissait que Jésus était le sang innocent. Combien tu as vendu ton frère? Pourquoi l'as-tu vendu? Aujourd'hui, il a perdu son service. Il a perdu son poste. Il a perdu son foyer. Il pleure.
la vie femme. Mais chaque fois qu'il pleure, les malédictions vont retomber sur toi. Ce que nous oublions, et nous serons tous les camps de prière. Dieu n'est pas naïf. Dieu n'est pas dupe. C'est nous les hommes qui sommes dupes. Ce que tu fais vient de ton intérieur. C'est caché. Nul ne peut le voir. On le voit le jour que cela se manifeste à travers le physique. Tous les apôtres étaient là. Jésus aussi était là. C'est Jésus qui connaissait Judas. Jésus connaissait l'état de son cœur. Mais Jésus n'a pas voulu être direct. Jésus a voulu le conscientiser. Mais sa conscience ne l'a pas reproché. Et c'est ainsi qu'en confessant ses péchés, les principaux sacrificateurs le répliquèrent en disant: nous n'en la gardons chine globena. Que nous importe? Cela te regarde. Mon frère, ne t'associe pas à des bandes de trahison. Ne te conforme pas à ces gens-là. Aujourd'hui, il y a des mouvements dans les églises. Quand il y a un petit problème, vous allez voir les chrétiens se soulever contre les pasteurs, avec le gourdin, faire des manifestations. C'est anti-biblique. Les membres chrétiens ne marchent pas. Les chrétiens doivent mouvoir à travers l'évangélisation et non à travers les manifestations pour prouver au monde qu'ils ne sont pas chrétiens. Christo tola e nu ya nyo abo so de la ye nya mawu nya kaka e ye menye be na wa chi atu abe wa opololo be wa tule e nu ya de ka lu yo be pasto nchi e o et la réponse des principaux sacrificateurs me va tout droit au cœur e ye nu no la ka o pe nya nchi dodo yo wo na yudala e te kaka nya chi gboke e disa e grobe. Que nous importe? Cela te regarde. Si quelqu'un vient te voir avec cette situation, tu lis. Que m'importe, cela te regarde. Aujourd'hui, nous cherchons à déstabiliser le règne de nos frères. Nous cherchons à tenir leur image. Nous cherchons à les rabaisser pour que nous montons. Mais contrairement à Jean-Baptiste, qui dit de Jésus qu'il croit ce que moi je diminue. Aujourd'hui, personne ne veut diminuer pour que son frère croisse. Judas Iscariot, après avoir entendu les paroles poignantes, les paroles intoxicantes de ces principaux sacrificateurs qui étaient sortis de leur bouche en disant: que nous importe, cela te regarde, alors se retira et jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla s'étrangler. Yuda, ayé o se nuno la ka o pe nyan ti dodo yo o fo nyan yo do ne grobe enu ka e kamile ni o le nyaya mo wo nto o kala e te ma e cho e gaye o sa yesu a o cho ne a e tu e fun gbe eye o yi o yin to de raka e o be te ka e ne do ku e
Cette mort était une mort macabre. Il avait une mort macabre. Et cette fin macabre était avait comme source la trahison. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul déclare, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ici, ce que Judas a semé, il l'a moissonné. Et il y a un apôtre Paul au premier globénade. Ce passage n'est pas dans l'Ancien Testament. Il est dans le Nouveau Testament. Et c'était contre la personne de Jésus. Et Jésus n'est pas prononcé la parole de bénédiction sur lui. Jésus a bien déclaré malheur à celui par qui cela passera. Il dit malheur à celui par qui cela passera. Il dit dans le verset 24 du chapitre 26 de l'évangile selon Matthieu. Le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à celui par qui cela arriverait, mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré. Mieux vaudra pour cet homme qu'il ne fût pas né. Beaucoup plus avant les agglomérations, à mes bâtons villa les yim, à bay à l'essieu, m'ont-ils les enouti ené, que baba n'a mené n'aimé, si la dé à mes bâtons villa assis. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas la parole de l'évangile sa charité. Ce n'est pas la parole qui est sortie de la bouche d'un roi. Ni de prophète. C'est de la bouche de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a prophétisé sur la vie de la personne qui le livrerait. Et cela s'est accompli dans le chapitre 27. Et d'où venait cette prophétie? David, des siècles avant, avait prophétisé cela. Dans le psaume 109, verset 8, que ce jour soit peu nombreux, que notre prince à charge. Et les apôtres dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 17 au verset 20. Et les apôtres ont après la mort et la résurrection de Jésus, les apôtres se rassemblaient. Et il va falloir chercher quelqu'un pour remplacer Judas Iscariot qui avait laissé un trou. Et voici la déclaration. Et dans le verset 17 au verset 20, il était compté parmi nous et il avait pas au même ministère cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé et s'est rompu par la nuque du corps, par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue à quel dama, c'est-à-dire chant du sang. Il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prince à charge.
eye mia xle tso kpokpe wi andre ire blafia yene do takpa me do bagba takpa me kuku yandra globe e la bena o xle de mia tome o xle de mia tome la eye o kpo go me le subo subo do siame il est parmi vous là elle est mia tome on le compte parmi vous o xle le mia tome il est auprès de toi eye o tso de gbo le il est dans le temple là elle le gbe do wa me il peut être diacre atenye hama fofu il peut être président des hommes atenye nchu okolo la il peut être diaconesa atenye hama dada il peut être président de la jeunesse atenye sore okolo la il peut même être ton collègue pasteur atenye adore la passe ton il cherche à te trahir elle est chico benade à son corps il cherche à t'enterrer elle est tombée sur mon dieu à dionner mais écoutez une chose au gars que mes seigneurs il y a certains qui sont intouchables mais à l'eau l'aider au nia assis ma caméra il y a certains qui sont incombattables mais à l'eau l'aider au matin ou à foutre il y a certains qui sont indétruisables mais à l'eau l'aider au matin bleu à tomber à il y a des gens qui y a certains qui sont indomptables. Ils sont, il y a certains qui sont indestructibles. Et ces personnes-là, c'est toi. Il ne te va meilleur de mettre les ténèbres. Dieu dit à Jérémie. Ma oublie Jérémie avec. Ils te feront la guerre. Mais si le Dieu ne croit pas. Car je suis avec toi. Pour te sauver. Et te délivrer. C'est pourquoi cette nuit. Sois rassuré que. Car les dîners soient sûrs. Jésus est avec toi. Quiconque cherchera à te trahir, c'est là où Dieu va te lever. Même si on t'enterrait, la terre ne peut pas te garder. Même si tu fâches les autorités, si tu fâches les autorités, c'est là où tu seras élevé. Regardez l'exemple de la vie de Tamar. Et c'est là que Jésus son beau-père avait constaté qu'elle était en état de grossesse. Elle a demandé à ce qu'elle soit livrée pour qu'elle soit lapidée. Tout le monde était prêt pour la lapider. D'autres ont tenu les gourdins. D'autres ont tenu les machettes. D'autres ont tenu les pieds, les cailloux. Et camarade, s'il vous plaît, j'ai une parole. Hey, et il a donné la parole. Hey, devant les anciens. Devant Judas. Et si regardez. Ce bâton. Ce cadeau. Et ce cachet. Celui à qui appartient ces éléments-là. C'est lui qui est le propriétaire de cette grossesse. Et Judas maintenant se prosterna. Et déclara que tu es moins accusable. Tu es moins coupable. Je suis le coupable. Et là où elle devait connaître la mort, elle a trouvé la vie. Là où les gens se préparent pour te tuer, c'est là où Dieu va t'élever. Là où Dieu va te donner la vie. Là où il s'attrouperait pour comploter contre toi. L'ange va les devancer. Au nom de Jésus. Jésus-Christ a parlé. Et ça s'est réalisé. Et le sang là, il n'a pas pu jouir du sang. Il n'a pas pu jouir de l'argent. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ce n'est plus à toi de retourner vers eux. Mais c'est à eux de revenir vers toi. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur de ceux qui peuvent détruire le corps. N'aie pas peur d'un homme. C'est Dieu qui t'a confié ce ministère.
ministère. C'est Dieu qui t'a confié cette mission. C'est Dieu qui t'a donné la vie. C'est Dieu qui a permis à ce que tu exerces ce métier commercial. Ils vont se soulever. Mais ils tomberont. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Elle est incontestable. Elle ne peut jamais être dissociée de l'esprit. Et cette parole s'accomplit lorsque sort de la bouche. C'est pourquoi cette nuit, bien aimé dans le Seigneur, toi qui as peur des sorciers, toi qui as peur des hommes, tes collègues de service, tes collègues au marché, tes collègues de la société, les membres de ta famille, sois rassuré que ils ne pourront pas te vaincre. Tu es réputé pour ton invincibilité. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier cette nuit. Oh, yes, tu vas. Dans Psaume 55, verset 13. Le psaume tabla ton vent à ton coup, oui, et ton amen. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami, ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de l'Éternel. Oh,
déplorable. Eya awo no blanui. Surprenante. Eyo onye nu liliam la vome. Étonnant. Eyo onye nu iwo moya. Qu'un chrétien va vendre son frère. Christ autori atteno vient ainsi. Que quelqu'un va trahir son frère consanguin. Avec douyen tonton novia et ton de tano de ta adoué gome. Est-ce que dans l'église c'est l'esprit de Dieu qui nous anime aujourd'hui? Le rame ome de maube popoi galeniam tonton le nia kromen. Le membre trahit le membre. Rame fi le dou novia rame fi le pasteur trahit le pasteur. Pastor le bourra vie pasteur comme l'évangéliste trahit l'évangéliste. On y a gakala le bourra vie on y a gakala. Pourquoi? Nous cadeau. Où allons-nous avec cela? Caïmier le plaque. Qu'est-ce que tu peux prendre de lui? Nous caïna témoin choléa merci. Si même tu tues ton frère. Tu ne peux nous vieux dans. Tu peux rien prendre. Si moi je te tuais. Je peux pas prendre ton option. Je peux pas prendre tes voitures. Je peux pas prendre ton église. Je peux pas prendre ton fauteuil. Même si je suis arrivé à prendre ton fauteuil, je ne peux pas résister jusqu'à la fin. Oh Seigneur, prie maintenant, dis à Dieu. Seigneur, c'est mon confident qui me livre. C'est l'homme qui a, qui a ma confiance qui me livre. Je ne sais plus que faire, Seigneur. Mais à ce que je sache, c'est toi qui combats pour tes serviteurs. Lève-toi et combats ma faveur. Lève-toi et défends ma cause, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Comme David a dit, lorsque les télé se lèvent, ses ennemis tombent. Jésus, sauve-moi sur ta volonté. Éteins ta main, Seigneur. Éteins ta main surprenante. Ta main puissante. Pour supporter l'ennemi. Pour défendre ma cause. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je me cache en toi. Je me couche sur toi. Je focalise ma vie sur toi. J'ai confiance en toi. Mes adversaires sont nombreux. Ne permets pas qu'ils m'abattent. Ne permets pas qu'ils disent ils m'ont vaincu. Comme toi tu es vainqueur, je suis vainqueur. Tu as la victoire, la domination sur ton épaule. Au nom de Jésus, aucun démon ne peut me battre et m'abattre. Oh Seigneur, je serai debout. Je marcherai. Affermis mes pas. Affermis mes pas. Affermis ma foi. Œuvre dans ma vie. Manifeste-toi, Seigneur. Révèle-toi. À travers ces combats, je suis exposé. Je suis trahi. Regarde ceux qui me trahissent. Défends-moi contre les trahisons. Justifie-moi, Seigneur. Ils complotent contre moi. Ils épient mes pas. Ils observent mes traces. Parce qu'ils en veulent à ma vie. Ils en veulent à ma vie. Mais je sais que toi, si tu es pour moi, tu peux être contre moi. L'apôtre Paul était rassuré que si toi tu es avec quelqu'un, personne ne peut le combattre, le vaincre. Si tu as protégé tes serviteurs, si tu as servité, tu as protégé les patriarches. Et tu les as protégés. Et tu les as gardés à l'homme de tes ailes. Cette nuit, Seigneur, protège-nous à l'homme de tes ailes. Garantis-nous
sont en sécurité. Nos adversaires nous assèlent. Ils nous combattent. Ils s'en veulent à nos vies, Seigneur. C'est pourquoi Seigneur agit. Mon Dieu agit. Mon rédempteur agit. Seigneur, prouve-leur le contraire. Prouve-leur le contraire. Continue pas à m'élever. Continue pas à m'élever. Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux marcher dans l'intégrité. Dans ta volonté. Je veux persévérer avec toi, Seigneur. Seigneur, préserve ma vie contre les attaques des méchants. Aujourd'hui, nous ne savons plus qui est qui. Seigneur, comme tu as combattu pour Israël, c'est ainsi que tu combattras pour moi. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, là où il m'en va du, c'est là où je vais régner. Jésus a régné. Les frères de Joseph l'ont vendu. En Égypte, c'est en Égypte qu'il a régné. Dieu Seigneur, tout endroit où il m'en va du, les mecs qui m'ont acheté, soit affaibli, et que là où ils m'ont vendu, que je règne là-bas. Dresse-moi mon trône là-bas. Au nom de Jésus. Yes, Lord. Dresse-moi un trône, Seigneur. Là où ils m'ont vendu, qu'ils voient mon règne, qu'ils voient ma grandeur, qu'ils voient mon élévation. Seigneur, c'est toi qui es capable de le prouver le contraire. Permets qu'ils reconnaissent que c'est toi qui es mon Dieu. Réveille-moi de ta puissance. Envoie ces gens dansent. Que tu as envoyé protéger Élisée. Envoie ta gloire. Ta présence. Il était sur la vie de Samuel. À Rama et personne ne pouvait le saisir. Au nom de Jésus-Christ. N'importe quel lieu où tu te trouves, que ta foi soit boostée. Et cesse de craindre. Cesse d'avoir peur. Je vais prier pour toi. Le Saint-Esprit va se manifester. Au nom de Jésus. Saint-Esprit agit cette nuit. Délivre une femme. Des complots des ennemis. Ceux-là qui veulent déstabiliser son foyer. Déséquilibre. Son foyer. Éloigne-les d'elle. Délivre ton serviteur. Délivre ton enfant. Protège-les contre les attaques des ennemis. Délivre-les de la fosse. Ceux qu'on mène dans la boucherie comme des brebis. Rencontre les seigneurs. Délivre-les
délivre-les de la force de la mort. De otro coupe balio me. Délivre-les de la méchanceté des ennemis. De otro futop fondi 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 tasse son. Garantie la sécurité. Après ton nabo wap détino noir ne wa like. Ce qui a été envoûté, Seigneur. Mais yo du tué là. Guéris-les, Seigneur. Yoto wap et ton. Quelle que soit la nature. Me calé yé de l'origine de la maladie. Me calé fi tolé lia tu. Cette nuit reçoit la guérison. Et ça, elle a quoi toi yo. Toi qui as besoin de mari. Mais il est nous tous sont là. Toi qui as besoin d'une femme. Mais il est tignon, nous sont là. Reçois ta cause cette nuit. Hey, Howa, babou, tiens les saïa. Toi qui as besoin d'emploi. Mais il est bien, mais il est titoa. Je t'octroie une position dans la société. Que les commerçants reçoivent l'extension. Au nom de Jésus. Que les fonctionnaires reçoivent l'onction de la promotion. Et que tous les malades obtiennent une guérison instantanée. Au nom de Jésus, Seigneur, agis. Nous prions pour notre pays et pour le monde tout entier. Veille sur ce monde, car il t'appartient. Que ton règne vienne afin que tout règne étranger disparaisse. Merci Seigneur pour ce mois que tu nous as donné. Rends stable le foyer. Rends équilibre le foyer. Équilibre le foyer. Rends équilibré les églises. Protège tes serviteurs. Leurs épouses et leurs enfants. Sois avec les présidents de la République. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Nous avons prié.